Alors, nous sommes au bastion de la table ronde, au site de grâce Table de la Grâce. Nous venons de vaincre Malenia et nous allons aller voir si on peut obtenir de l'équipement de champion lié à Malenia. Alors, on va voir si on peut acheter ça. Alors, on va acquérir l'équipement des champions. On peut acquérir le casque ailé de Malenia pour 12 000 runes, ce que je vais faire. On peut aussi acquérir le home de chevalier royal, mais ça, je sais pas trop d'où ça vient. Est-ce que c'est lié à Malenia ou pas? J'ai un gros doute. Je vais l'acheter. Qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est Mikaela, ça. Ah oui, home en argent de Loretta. Ah, ça, c'est lié à Loretta. Donc ça, je vais pas le prendre. On va faire une chose à la fois. Alors ici, on a l'armure de Malenia. On va la prendre, 20 000. Alors, ça c'est lié à Loretta. Ça c'est lié à Malenia. On va l'acheter 12 000 encore. Ça c'est lié à Loretta. On ne le prend pas. Alors, les jambières de Malenia, on va les prendre 12 000 encore. Et ici, c'est lié à Loretta. On n'y touche pas. On fait une chose à la fois. On ne va pas mélanger les armures. Et voilà. Donc maintenant, on va un petit peu regarder ce qu'on a obtenu. Alors ici, on a obtenu le casque ailé de Malenia qui pèse 4. Alors, est-ce qu'il a un pouvoir spécial? Alors, on n'a pas l'impression. Ok, on va passer à l'armure de Malenia. Elle pèse 7,7. On va passer au gantelet de Malenia qui pèse 3,1. Voilà. Et on va passer aux jambières de Malenia qui pèsent 5,7. Et toujours, apparemment, aucune compétence spéciale. On verra quand on fera le test Fashion Victim s'il y a quelque chose qui change. Et bien voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.